1974 sortait en salle L'Exorciste. L'un des films d'horreur les plus marquants de l'histoire du cinéma. Un chef-d'œuvre d'épouvante qui a bouleversé des millions de spectateurs à travers le monde. Ce film a terrorisé des millions de personnes. Les gens sortaient de la salle complètement déstabilisés. Les cas d'évanouissement dans les salles et hors des salles se comptaient à la pelle. Et pourtant, qu'importe, tout le monde voulait le voir. Ce que les spectateurs ignorent pourtant, c'est que le scénario de ce film glaçant est inspiré d'une terrifiante histoire vraie. Complètement par hasard, il a lu un entrefilet dans le Washington Post sur le cas d'un jeune homme possédé par le démon. Là, la réalité surpasse de très loin la fiction. Quels étranges phénomènes ont inspiré cet immense succès du cinéma mondial? Le diable existe-t-il? Découvrez l'effrayante histoire de Roland Doé, le véritable possédé de L'Exorciste. Nous sommes le 26 décembre 1973. Et sur les cinémas du monde entier, va peu à peu s'afficher en toutes lettres le titre d'un film d'horreur aussi énigmatique que terrifiant. L'Exorciste. Tu vas mourir là-haut. Le film de L'Exorciste tourne autour d'une petite fille qui va être possédée et un prêtre exorciste va commencer à travailler sur cette jeune fille et à tenter d'enlever le démon qui est en elle. C'est un film culte, il a fait un véritable carton au niveau mondial, il a généré plus de 400 millions de dollars de recettes. Si L'Exorciste, réalisé par William Friedkin, marque toute une génération de spectateurs, c'est aussi par l'effroi qu'il suscite jusque dans les salles de cinéma. J'ai une amie toute seule dans la salle et je veux pas la laisser seule à l'intérieur. C'est le premier film qui a poussé les choses aussi loin. Il y a des images très spectaculaires, très crédibles, entre guillemets, par rapport à ce qui a été fait avant. Ce film est l'un des rares à avoir terrifié des millions de personnes. Les gens sortaient de la salle totalement déboussolés. C'était vraiment horrible. Je voulais juste sortir, je ne pouvais plus le supporter. Les cas d'évanouissement dans les salles et hors des salles se comptaient à la pelle, sans parler de ceux qui allaient jusqu'à vomir. Et pourtant, qu'importe, le film était très attirant et tout le monde voulait le voir. Un mouvement va se soulever pour faire interdire ce film. Il est même boycotté, je crois, dans certains pays. Alors que beaucoup réclament son interdiction, peu connaissent la terrifiante histoire qui a inspiré Hollywood. Le scénario du film est tiré du livre L'Exorciste, écrit en 1971 par William Peter Blatty, qui est d'ailleurs devenu par la suite scénariste sur le film. William Peter Blatty, il a découvert l'histoire complètement par hasard. Il a lu un entrefilet dans le Washington Post sur le cas d'un jeune homme nommé Rolando. Il était possédé par le démon et il a subi un exorcisme. Et William Peter Blatty a construit son livre et ensuite le scénario du film à partir de ce fait réel. Lorsque Blatty va entendre parler de cette histoire, pour lui qui est un auteur qui a l'habitude d'écrire de la fiction, là la réalité m'est surprise. Passe mais de très loin la fiction. Il semblerait qu'on soit face à un véritable cas de possession démoniaque. Ce cas est resté inexpliqué. L'étrange histoire relatée par le Washington Post nous emmène à Cottage City, sur la côte est des États-Unis. Nous sommes en 1949, et dans cette petite bourgade du Maryland, rien ne laisse présager les terribles événements qui vont secouer la famille du jeune Roland Doé. Il a grandi dans une famille luthérienne, évangélique, donc très pieuse. Il y avait sa mère qui le surprotégeait un petit peu. Il y avait son père qui était, lui, assez effacé. Roland, c'était leur fils unique. C'était un enfant assez calme. Il avait la réputation d'être assez timide, plutôt réservé, voire introverti. Mais ce que ses parents ignorent, c'est que Roland Doé a une étrange passion. Une passion aussi inquiétante que dangereuse qu'il partage secrètement avec l'une de ses tantes. Sa meilleure amie était sa tante, Harriet, qui l'a initiée au Ouija, la planche aux esprits. Il faut bien comprendre que le Ouija, c'est une tablette qui va ouvrir des portes. Tu invites le monde invisible chez toi. Et malgré le risque, malgré qu'on l'ait prévenu du risque, le garçon était fasciné. Il va insister auprès de sa tante pour apprendre à l'utiliser. Il va vite l'enquêter. Peu de temps après cette mystérieuse initiation, la médium décède dans des circonstances étranges. Sa disparition brutale va totalement bouleverser le comportement du jeune homme.
Ça va être un coup très dur pour Roland. Il va utiliser la planche Ouija pour essayer d'entrer en contact avec elle. Que s'est-il passé avec cette planche? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, sa vie ainsi que celle de ses parents va basculer dans quelque chose de complètement surnaturel. Très vite, des phénomènes inquiétants vont perturber le quotidien jusque-là tranquille de la famille Doé. Tout commence avec des bruits sourds et des grattements derrière les murs. Les parents de Roland, ils sont pragmatiques, ils sont rationnels, ils font appel à un dératiseur, ils pensent que c'est des rats. Mais surprise, n'en trouvent pas un seul. Courant février, les phénomènes vont s'accentuer, vont augmenter. Ils diront qu'en l'espace de quelques jours, la maison va devenir le théâtre d'une série de phénomènes inexpliqués. Des griffures vont apparaître sur le matelas, ainsi qu'une couverture qui va être déchirée. Et puis surtout, le comportement du garçon va commencer à changer. Il va devenir irascible, hystérique, violent. Et puis, plus surprenant, il y a cette image du Christ qui est suspendu dans le salon et qui n'arrête pas de battre contre le mur. Et ça, ça les inquiète, mais alors plus que tout. Terrifiés, les parents réalisent alors que leur fils semble comme possédé par une force maléfique et devient l'épicentre de ces phénomènes inexpliqués. Le cauchemar du couple d'eau ne fait que commencer, c'est-à-dire que le fils lui-même va être comme entouré par le phénomène surnaturel. Le lit qui se met à vibrer, à secouer, l'enfant Roland qui devient de plus en plus hystérique. Il y a comme une ombre qui le suit partout, comme quelque chose, une entité impalpable qui le suit partout. Pire encore, ses parents racontent qu'il y a des marques qui apparaissent sur le corps de leur fils, des ecchymoses, des égratignures. Effrayés par les événements et l'étrange mal qui semble tourmenter leur fils, le couple Doé fait appel à Luther Miles Schultz, le pasteur de leur paroisse. Le pasteur Schultz, il a beau être un homme d'église, sa première réaction, c'est de réagir en homme rationnel et il va l'envoyer chez les médecins. Et donc, on envoie le môme à la demande du pasteur dans le service psychiatrique de l'hôpital de Georgetown. Et là, il est livré à plusieurs médecins. Pendant des semaines, ils vont étudier son cas. Ce petit garçon va être étudié et tout va bien avec lui. Il n'est pas devenu fou, il n'est pas schizophrène. La seule chose sur laquelle ils sont tous d'accord, c'est que tous ceux qui ont côtoyé l'enfant sont persuadés qu'il se passe quelque chose d'anormal. De quel mystérieux mal est atteint le jeune Roland Doé? Origine surnaturelle ou problème psychiatrique? Si pour les spécialistes de l'hôpital de Georgetown, ce cas reste une véritable énigme, au mois de mars 1949, un événement va sceller le destin de la famille Doé. Rolando sort de l'hôpital sans que son état ne se soit amélioré. Il rejoint sa maison, il est dans sa chambre. Là, les phénomènes continue. Quelques jours après, sa mère constate avec effroi que sur son ventre, il y a inscrit Saint-Louis. Saint-Louis, je le rappelle, c'est la ville dans laquelle vivait la tante Ariette qui l'a initiée au spiritisme. Persuadés que cette terrifiante découverte est aussi un signe, les Doé décident de partir s'installer à Saint-Louis. Désemparés, ils se tournent vers l'église locale, espérant qu'elle les aide à mettre un terme à leur cauchemar. La mère va faire appel à plusieurs prêtres catholiques pour le coup. Il va y avoir le père Bishop, le père Bodern. L'exorcisme ne va pas se faire n'importe comment. Hein. Les deux prêtres, Bowden et Bishop, ils doivent aller demander la permission à leur hiérarchie. Parce que ça se fait comme ça dans l'église, on ne pratique pas un exorcisme comme ça au pied levé. Il y a une voie hiérarchique à suivre, il y a un code, un protocole. Et là, dans l'état, ça a été suivi de très près. En se rendant au chevet du jeune Roland Doé, les deux hommes d'église n'imaginent pas un seul instant les événements effrayants auxquels ils vont devoir faire face. Le père Bowdern et le révérend Bishop sont vite informés que des choses horribles entourent cet enfant. Ils vont voir le jeune Roland qui est agité de convulsions, des maux apparaissent sur sa peau. Les deux prêtres constatent d'emblée également que le jeune homme a une aversion pour le sacré, mais alors ultra profonde. Dès qu'il commence à brandir un crucifix ou une image sacrée, ils sont insultés, ils se font cracher dessus. Il va maudire son père, il va uriner, il va recracher quelques mots en latin. Pas de doute, on est face à un cas de possession démoniaque. Les deux hommes, confrontés à ces phénomènes aussi étranges que menaçants, n'ont pas d'autre choix que de procéder à un exorcisme. Il faut expulser, exorciser le diable, le démon, Satan, de la personne qui est possédée. Le père Bowden, l'un des deux prêtres, demande l'autorisation à sa hiérarchie pour pratiquer l'exorcisme et on lui donne à deux conditions. D'abord qu'il se fasse aider par un troisième prêtre, le prêtre Alloran, et puis qu'il tienne un journal de bord qu'il communiquera ensuite au diocèse parce que le diocèse veut avoir des traces. Ce qui est terrifiant, c'est que les faits décrits dans ce journal auraient servi de base aux scènes d'horreur du film.
car ce que vont relater les trois hommes d'église concernant l'exorcisme du jeune Roland Doé est particulièrement glaçant. Il a vécu 11 exorcismes, c'est énorme. Il faut bien comprendre qu'un exorcisme, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Aussi bien pour celui qui va recevoir l'exorcisme que celui qui va le pratiquer. Chaque séance est un calvaire. Rolando entre en transe, il leur crache dessus, il les insulte et il entre en lévitation. Le Washington Post a publié en 88 une interview très rare, parce qu'il en faisait très peu, du prêtre Aloran, le troisième prêtre à être intervenu sur l'exorcisme. Et ce prêtre avouera aux journalistes du Washington Post deux choses. Un, qu'il s'est fait casser le nez par Roland, mais qu'en plus, il a vu un jour le mot « enfer » comme une scarification apparaître sur le torse du gamin. C'est dans cette atmosphère effrayante que le 18 avril 1949, le père William Bodern rapportera dans son étrange journal une incroyable situation. Roland s'exprime pour la première fois d'une voix qui n'est pas la sienne et il dit « Satan, Satan, je suis Saint-Michel et je vous ordonne, Satan et les mauvais esprits, de quitter ce corps tout de suite. » Le jeune Roland, d'un coup, va se calmer et va dire « Ça y est, c'est parti. » Les trois hommes viennent de comprendre qu'ils ont livré durant un mois et demi un combat contre le diable, un combat dont ils se remettront probablement jamais. Ce 18 avril 1949, s'achevait l'un des plus mystérieux cas de possession connus à ce jour. Trois mois d'épouvante que Roland Doé a toujours refusé d'évoquer, disant n'en avoir aucun souvenir. Possession démoniaque ou cas psychiatrique échappant à la science, Walter Aloran, le dernier témoin direct de cette effrayante histoire, s'est éteint le 1er mars 2005, emportant avec lui la terrible question de l'existence du diable. Le 5 avril 1989, le monde entier découvrait un visage effrayant, celui de Chucky, l'une des plus terrifiantes poupées de l'histoire du cinéma. Salut, je m'appelle Chucky, tu veux jouer ? Ce film d'horreur a été un grand succès et c'est encore actuellement un vrai film culte. Il raconte l'histoire d'une poupée tueuse dans laquelle s'est réincarné l'esprit d'un tueur psychopathe grâce à un rituel vaudou. Et cette poupée va prendre vie et elle va devenir maléfique. Dès sa sortie sur les écrans, le succès du film est énorme. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Chucky est inspiré d'une histoire vraie. La poupée démoniaque existe bel et bien. La véritable poupée s'appelle Robert et elle est exposée depuis 25 ans sous verre au musée de l'île de Key West en Floride. Quelle terrifiante histoire se cache derrière cette étrange poupée. Elle est maudite et elle maudit évidemment tous ceux qui l'approchent de près. On raconte que son propriétaire est mort totalement fou. Aussi dangereuse que maléfique, voici la véritable histoire de Chucky, la poupée maudite. Nous sommes en 1905 sur l'île de Key West, au sud de la Floride. Au 534 Eaton Street où ils habitent, Thomas Otto et sa femme Minnie, un riche couple de pharmaciens, ignorent encore que leur somptueuse demeure va devenir le théâtre d'événements étranges et inexplicables. Minnie et Thomas Otto sont un peu des bourgeois du coin. Ils sont très respectés, ils ont quatre enfants. Ils ont de l'argent, ils ont une maison immense avec une armée de domestiques qui se chargent du quotidien et aussi de leurs quatre enfants. Et l'un des quatre enfants s'appelle Robert Eugène, il a 6 ans, c'est le petit dernier, et lui, un destin très particulier l'attend. Car la vie rêvée de ce couple d'Américains sans histoire va basculer dans l'horreur. Quand, au cours de l'année 1905, Minnie Otto décide de renvoyer brutalement Emmeline Abbott, l'une de ses domestiques. Aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien pourquoi Madame Otto a congédié cette domestique. Il y a eu des rumeurs qui ont dit que cette domestique était enceinte et que le père de son enfant n'était rien d'autre que Thomas Otto. Il y a donc plusieurs hypothèses, mais ce dont on est sûr, c'est que suite à ce renvoi, le couple Otto va le payer très cher. Au moment de quitter définitivement le 534 Eaton Street, Emmeline Abbott, la domestique, très proche du petit Robert Eugène, décide de lui offrir un cadeau d'adieu. Personne n'imagine alors la nature diabolique de cette étrange poupée. Il se trouve que la domestique renvoyée, c'était la nounou de Robert Eugène. Donc Robert Eugène, il a 6 ans, il est évidemment
très triste. Alors pour le consoler, elle lui offre une poupée. Une grande poupée de chiffon et de paille qu'elle a confectionnée elle-même. C'est une poupée qui n'est pas très jolie, mais sentimentalement, le garçon va s'y attacher très fortement et cette poupée va devenir petit à petit son meilleur ami. Ce que le petit garçon ignore, c'est que ce jouet, a priori innocent, est un cadeau empoisonné. Celui qu'il croit être son meilleur ami va faire de sa vie, mais aussi celle de ses parents, un véritable enfer. Très vite, l'enfant va avoir une relation quasi fusionnelle avec cette poupée. Ça devient un compagnon de jeu, voire quelqu'un, enfin une poupée qui fait partie pour lui intégrante de la famille. Il va l'emmener partout, il va jusqu'à dormir avec elle, il va jusqu'à la mettre à table. Un jour, Robert Eugène décide de baptiser sa poupée Robert, comme lui. Et au départ, bien sûr, les parents, ils n'y voient rien d'inquiétant. Mais très vite, de curieux phénomènes vont provoquer l'inquiétude du couple, à commencer par l'étrange comportement de leur fils. Il va commencer à s'isoler dans un premier temps et ne parler plus qu'à sa poupée. Mine de rien, il commence à changer peu à peu de comportement, en fait. Et Robert Eugène devient grognon, colérique, alors que c'était un enfant très calme. C'est un peu comme si l'enfant était sous l'emprise de ce jouet. Mais à l'époque, personne ne comprenait ce qui se passait. Et puis un jour, brutalement, le garçon vient voir sa mère et lui dit « Écoute, à partir de dorénavant, tu ne m'appelleras plus Robert. Robert, c'est le nom de ma poupée et c'est le nom qu'elle a choisi, je n'ai pas l'utilisé. » Sa maman est un peu troublée, mais bon, elle se rassure, elle se dit que c'est juste un caprice. Donc, elle accepte d'appeler son fils uniquement par le prénom Eugène et la poupée Robert. La poupée maudite a désormais un prénom et ne va pas tarder à semer l'effroi dans la maison familiale. Un jour, Madame Otto se trouve devant la porte de la chambre de son fils et elle entend son fils discuter avec sa poupée. Elle entend une deuxième voix. Et à un moment, elle rentre dans la chambre, elle voit son fils assis par terre face à la poupée et elle a l'impression que la voix qu'elle venait d'entendre, la voix grave et un peu rauque, ne vient pas de son fils, mais vient de la poupée. Et c'est là où elle va commencer vraiment à s'inquiéter. Ça va même lui faire peur. Au 534 Eaton Street, la famille Otto va devoir faire face à d'autres phénomènes aussi terrifiant qu'inexplicable. Un soir, les parents, ils sont endormis, et ils entendent tout d'un coup un vacarme épouvantable qui semble provenir de la chambre de leur fils Robert Eugène. Et quand Minnie et Thomas Otto vont se déplacer jusqu'à la chambre, ils vont s'apercevoir qu'en fait, il y a eu un séisme qui est passé. Des vêtements sont déchirés, les autres poupées sont cassées en deux, les meubles sont renversés, c'est un saccage intégral. Et l'enfant, il est prostré dans un coin, terrifié par ce qui vient d'arriver, et lorsque les parents lui demandent de s'expliquer sur cette mise à sac, il pointe la poupée Robert du doigt en disant « c'est Robert qui l'a fait ». La poupée serait-elle dotée, comme l'affirme Eugène Otto, de pouvoirs surnaturels ? Seule certitude, la famille du jeune garçon doit faire face plusieurs semaines durant à de terribles événements. Ce phénomène de chambre saccagée va se reproduire plusieurs fois par la suite. À chaque fois, son fils dit « Robert did it », c'est Robert qui l'a fait, en désignant la poupée. Et de fil en aiguille, évidemment, les parents vont commencer à se demander si leur fils il n'a pas une maladie psychiatrique. Ils pensent qu'il est malade. Comment croire un enfant qui dit que sa poupée est vivante ? Sauf que, il va y avoir d'autres témoins. En effet, une suite de faits troublants va venir confirmer la version du petit garçon sur cette étrange poupée. Les domestiques vont raconter tout simplement qu'ils ont vu Robert, la poupée, se déplacer toute seule. Certains jurent même avoir entendu un rire diabolique provenant de la chambre de Gênes, alors que l'enfant était dans le jardin. Les domestiques deviennent tellement terrifiés par cette poupée que certains d'entre eux vont carrément démissionner. Il n'y a pas que les domestiques. Bientôt, il y a les voisins qui s'y mettent aussi. Certains sont persuadés d'avoir vu la poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre et regarder à l'extérieur. Et évidemment, à Key West, l'histoire fait grand bruit. Tout le monde commence à avoir très très peur de cette poupée qui devient légendaire, mais de façon maléfique. Cette mystérieuse poupée serait-elle vraiment hantée, comme certains l'affirment, par une entité démoniaque ? Effrayée, Minnie Otto décide de s'en débarrasser. Minnie Otto va décider de ranger cette poupée au grenier dans une malle et de l'éloigner en tout cas de son fils. Le petit Robert Eugène, il va pleurer, il va la réclamer et puis avec le temps il va l'oublier. Tout le monde pense à en avoir fini avec ce fait divers bizarre, sauf que cette histoire va rebondir quelques années plus tard. Nous sommes en 1945 et bien loin de Key West et des étranges événements survenus au 534 Eaton Street. C'est à Boston que vit désormais Eugène Otto, devenu un célèbre artiste peintre.
Eugène a 46 ans, c'est un peintre réputé, et il file le parfait amour avec Anne, une pianiste avec qui il s'est marié. La poupée est sortie de sa vie, il ne s'en souvient d'ailleurs quasiment plus. Le seul truc, c'est qu'il continue de s'appeler Eugène, alors qu'il s'appelait Robert Eugène à la base, parce que, consciemment ou inconsciemment, pour lui, Robert, c'est toujours le prénom de sa poupée. 40 ans après les terribles événements qui ont marqué son enfance, Eugène Otto hérite du manoir familial de Key West et décide avec son épouse de s'y installer. Il ignore que dans le grenier du 534 Eaton Street, une terrible menace va revenir le hanter jusqu'à sa mort. Un jour, il décide d'aller dans le grenier et de fouiller un petit peu les malles qu'il y a là, et il tombe sur la poupée Robert. Et là, il retrouve non pas seulement une poupée, mais une vieille connaissance. Une vieille connaissance qui, semble-t-il, l'attend depuis toujours, en tout cas depuis qu'elle a été enfermée par sa mère. Quand il la voit, deux choses remontent à la surface. Ses souvenirs d'enfance, mais aussi l'étrange malédiction qui semblait attacher cette poupée. Car très vite, cette poupée réputée hantée va exercer, comme 40 ans auparavant, son emprise maléfique. Il va se retrouver fasciné à nouveau par cette poupée, à tel point qu'il va commencer à s'isoler à nouveau. Quelque part, le schéma va se reproduire. Anne, évidemment, elle comprend rien dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, elle va se mettre à détester la poupée. Elle constate même que son mari est en train d'aménager une chambre qui jouxte la sienne pour y installer Robert. Sa femme commence un peu à se plaindre de cette situation parce qu'elle n'a quasiment plus de contact avec lui puisqu'il s'isole vraiment. De temps en temps, elle retrouve les pièces de la maison saccagé. Et lui, comme quand il était môme, dit « Bah non, c'est pas moi, c'est la poupée ». En fait, tout simplement, on a l'impression qu'en retrouvant la poupée, il a réinstallé le schéma infernal. Alors qu'au début des années 70, Eugène Otto tombe malade, l'homme ne sort plus de la chambre qu'il a spécialement aménagée dans le grenier pour sa mystérieuse poupée. Cette poupée maléfique va l'accompagner jusque dans la mort. Eugène Otto, il meurt en juin 74, dans son lit, mais pas seul, parce que tout près de lui, on y trouve la poupée. En fait, cette poupée l'aura totalement isolé de sa famille. Par exemple, avec Anne, il n'aura jamais d'enfant. Est-ce que cette poupée est réellement vivante? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu un réel pouvoir sur Eugène Otto. Le résultat, c'est qu'elle a ruiné sa vie, sentimentale, professionnelle, à tous les niveaux. À la mort de son mari, Anne Otto s'empresse de vendre la maison, laissant la poupée maudite au grenier, enfermée dans sa boîte. La chose curieuse, 70 ans après les faits, ça recommence. Les voisins vont témoigner pour dire qu'ils ont aussi vu une poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre dans la maison des Otto. Exactement de la même façon qu'il y a 40 ou 50 ans. Si cette mystérieuse poupée est pour beaucoup possédée par une force surnaturelle, certains avancent aujourd'hui un début d'explication. La clé du mystère se situerait probablement en 1905, au moment où on congédie Emmeline Abbott, la domestique. Madame Otto aurait surpris cette domestique, qui était d'origine haïtienne, en train de pratiquer un rituel vaudou. Et donc, pour se venger de son renvoi, la domestique, Emmeline Abbott, a fait un rituel vaudou autour d'une poupée et qu'elle a donné cette poupée au plus jeune fils pour que la malédiction touche la famille. Légende ou réalité, 20 ans après la mort d'Eugène Otto, l'ultime propriétaire du 534 Eaton Street, Myrtle Reuter, retrouvera cachée dans le grenier cette étrange poupée. Elle en fera don au musée de Key West en 1994, non sans prévenir, effrayer, le personnel du musée. La poupée est hantée et se déplacerait toute seule. Depuis 1994, cette poupée maléfique est exposée au musée de Key West dans une grande cage de verre, mais elle n'a pas perdu pour autant son pouvoir de nuisance, à ce qu'on dit. Elle n'aime pas que les visiteurs se moquent d'elle. Quand on va au musée, on peut la prendre en photo, mais il faut lui demander l'autorisation. C'est ce qui est arrivé à un homme qui a pris la photo de la poupée sans lui demander son autorisation. Le portable est devenu bouillant à son oreille, elle lui a un peu brûlé la tempe. Il l'a amené à un réparateur et le réparateur lui a dit qu'il avait complètement cramé dans l'intérieur. Si d'aventure vous passiez par Key West, prenez garde de ne pas froisser Robert, cette poupée diabolique qui a inspiré le terrifiant personnage de Chucky. Car étrangement, le musée de la ville reçoit chaque année des milliers de lettres d'excuses de visiteurs qui, aujourd'hui encore, sans mordre les doigts. Le 18 avril 2015,
une étrange découverte, opérée dans les images d'archives de l'agence spatiale américaine, allait relancer les rumeurs les plus folles sur l'existence possible d'une vie extraterrestre. Ce qui intéresse encore aujourd'hui les gens sur l'espace, c'est la découverte probable d'une vie extraterrestre. Cette image-là, prise par Irwin au cours de la mission Apollo 15, laisse à penser qu'on est face encore une fois à quelque chose d'hors du commun, qui ne devrait pas se trouver là. À quels étranges phénomènes les astronautes américains ont-ils été confrontés lors de leur mission sur la Lune? Ont-ils vraiment dit toute la vérité? Il y a un doute certain. On se demande d'où ça peut venir. Cette information va mettre 40 ans avant de sortir. Les dires des astronautes qu'on a envoyés là-haut, pour une bonne partie, se recoupent. Preuve d'une vie extraterrestre ou non, découvrez ces mystérieuses archives que la NASA aurait préféré garder secrètes. Nous sommes en mai 1969 à Cap Canaveral, en Floride. Il est 16h49. Et les trois astronautes américains de la mission Apollo 10 s'apprêtent à décoller vers la Lune. Aucun d'entre eux n'imagine encore l'étrange phénomène auquel ils vont devoir faire face, et toujours inexpliqué à ce jour. La mission d'Apollo 10 est assez particulière parce qu'on n'a jamais encore marché sur la Lune. Hein. C'est-à-dire qu'on prépare Apollo 11, hein, qui va être la mission, The Mission, avec Neil Armstrong. L'équipe donc était composée de Stafford, Cernan et Young. Ils avaient été extrêmement bien préparés. C'est l'une des premières fois où on s'approche si près de notre satellite, qui est la Lune. En effet, la NASA a demandé à ses trois astronautes de voyager vers là où une seule mission avait osé aller jusqu'alors. Passer par la face cachée de l'astre lunaire. On va demander à cette mission de faire le tour de la Lune et donc de se retrouver derrière, sur la face cachée. On ne sait pas du tout ce qu'il y a de l'autre côté. Ils communiquent par radio avec la base de Houston. Or, la Lune est un sévère obstacle et donc ils ne pouvaient pas communiquer avec la Terre pendant le temps de la traversée, c'est-à-dire à peu près une heure. Et il se passe quelque chose durant ce laps de temps d'une heure sur laquelle ils ne sont pas en contact avec Houston, quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Quelque chose qui restera dans les archives de la NASA pendant plus de 40 ans. Alors que le 26 mai 1969, l'équipage regagne la Terre et ne déplore officiellement aucun incident durant son voyage, la NASA va découvrir que les trois astronautes n'ont pas dit toute la vérité. À partir du moment où ils rentrent sur Terre, officiellement, tout s'est bien passé pour eux. À leur retour, ils sont débriefés, la NASA récupère tous les éléments. On sait que la NASA a enregistré toutes les communications, donc tout ce qui a été dit dans le vaisseau est enregistré. Ce n'est qu'une fois revenus sur Terre que les membres de la NASA prennent connaissance de l'enregistrement des bandes et cherchent à comprendre ce qui s'est passé là-haut. Alors que dans le plus grand secret, la NASA classe ses enregistrements troublants dans ses archives durant 40 ans, elle décide de les rendre publics en 2008. Et ce qu'elle révèle est pour le moins troublant. À partir du moment où il n'y a plus de transmission avec la Terre, plus de sons qui proviennent de la Terre, on est dans un vide intersidéral où le silence est censé régner. Et nos trois astronautes, dans leur module, entendent une sorte de son. Une sorte de musique en boucle qu'ils qualifieront eux-mêmes de bizarre, voire même de musique extraterrestre, qui dure tout le temps de la traversée de cette face cachée de la Lune, donc une heure au total. Well, that sure is weird music. Ce qui les étonne, c'est qu'ils ne s'attendent pas à voir, eux, une communication, quelle qu'elle soit, puisqu'ils savent qu'à ce moment-là, ils vont être coupés du monde. À quel étrange phénomène les astronautes ont-ils fait face ce 18 mai 1969, alors qu'ils étaient totalement coupés du monde? Si certains avancent de simples interférences, de nombreuses questions restent sans réponse. D'où viennent ces sons? S'ils ne viennent pas de la Terre, parce que c'est impossible, c'est-à-dire techniquement, c'est impossible puisque de toute façon on est sur la zone blanche où la NASA elle-même avec ses émetteurs ultra puissants
n'arrive pas à communiquer avec le vaisseau. C'est ça le point curieux. C'est-à-dire qu'elle commence quand ils s'engagent derrière la face cachée de la Lune et elle s'arrête quand ils en ressortent. Est-ce que c'est pas un son qui vient d'un frottement, d'un bruit, de machin? On peut tout imaginer. Si c'était le module de commande, effectivement, on devrait l'entendre à d'autres occasions. Et c'est pour ça que l'hypothèse de l'interférence radio n'a pas satisfait tout le monde. Cette étrange musique, perçue par les astronautes, serait-elle le fruit d'une présence inconnue jusqu'alors? Si 40 ans après les faits, le mystère reste entier, une récente découverte dans les archives de la NASA va accréditer un peu plus l'incroyable théorie de l'existence d'une forme de vie extraterrestre. Nous sommes le 18 avril 2015 et les images de la mission Apollo 15 tirées des archives publiques de la NASA vont rapidement faire le tour du monde. Un ufologue internaute va scruter les images de cette mission et va voir quelque chose d'assez particulier. Il a vu qu'à un certain moment, lors de cette vidéo, il y avait une image assez intrigante. James Irvine, il a pris l'initiative de prendre sa propre caméra avec laquelle il a fait un film. Même la NASA n'est pas au courant. C'est-à-dire que même la NASA, elle a regardé ces images. Elle les a scrutées, elle n'a pas dû les voir. Ce 1er août 1971, les astronautes de la mission Apollo 15 étaient-ils vraiment seuls sur la Lune? Si l'agence spatiale américaine dément détenir des informations sur le sujet, les images filmées par l'astronaute Jim Irwin laissent apparaître une chose étrange et inexplicable. Est-ce que c'est de l'ordre du naturel, une colline lunaire, ou alors un objet volant non identifié? On voit une étrange forme discoïdale, blanche, ce qui, on en conviendra, n'est pas naturel. D'autant plus que cet objet semble en lévitation sur le sol. Il y a de la matière, parce que pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'il y ait de la matière. Donc c'est peut-être l'ombre qui est la plus intéressante et qui valide la thèse d'un objet volant non identifié. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette vidéo, en tout cas, elle nous pose question maintenant, aujourd'hui. Si c'est une soucoupe volante, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à être intéressés par notre satellite. Donc on peut imaginer aussi que c'est un engin d'exploration spatiale d'une autre civilisation. Une civilisation venue d'ailleurs surveillerait-elle nos moindres faits et gestes, comme certains spécialistes l'affirment? Nous sommes le 11 décembre 1972. Et les images prises ce jour-là par la caméra embarquée de la navette spatiale Apollo 17 laissent apparaître un phénomène troublant, et lui aussi totalement inexpliqué à ce jour. Apollo 17, c'est la dernière mission, c'est la dernière fois que les États-Unis envoient des hommes sur la Lune. Juste avant l'alunissage, les cosmonautes relâchent une partie du module lunaire avant l'alunissage, et toute cette procédure est filmée. Là, c'est la surprise quand on revoit les images. On voit un objet qui semble tourner sur lui-même et qui comporte trois sources lumineuses. Ce sont vraiment des images très intrigantes, vraiment qui posent question. La première piste a été de dire que c'était un satellite. Mais cette hypothèse ne peut pas être possible. La Lune se situe à environ 380 000 km de la Terre. On pourrait imaginer le débris d'une autre mission spatiale. Des débris qui sont en rotation autour de la Lune, mais ils ne sont pas censés avoir de ces lumières-là. Un objet volant non identifié se serait-il approché de la mission Apollo 17 pour la surveiller? Si la NASA refuse de dévoiler les rapports secrets qu'elle détient sur le sujet, en 2005, l'un des plus célèbres astronautes va oser briser la loi du silence. Buzz Aldrin, un des astronautes les plus célèbres aux États-Unis et dans le monde, en 2005, se confie. Il va déclarer que pendant cette mission Apollo 11, il a observé un objet qui semblait suivre la capsule, un objet en forme de L. On a été assez malin pour ne pas dire à Houston, il y a une lumière dehors qui est en train de nous suivre. Techniquement, c'était un objet volant non identifié. Cette information va mettre 40 ans avant de sortir. Sincèrement, je pense que si un astronaute va jusqu'au point de nous dire, avance en tout cas ces informations auprès du grand public en disant, voilà, moi j'ai vu des choses étranges, moi j'ai entendu des choses étranges quand j'étais dans l'espace. Là, si on met ces informations-là de côté, ces témoignages de côté, c'est qu'on ne veut vraiment pas voir. On peut se demander si ces hommes-là n'ont pas vécu une expérience encore plus incroyable
et n'ont pas vu des choses qui remettent totalement en cause notre présence dans l'univers en tant qu'être seul et qui remettent en cause la présence d'autres entités dans l'infinie galaxie. Quelle est la nature exacte des étranges phénomènes observés par les astronautes lors de ces voyages vers la Lune? Intelligence venue d'ailleurs, épiant nos faits et gestes, ou interprétation erronée? Aujourd'hui, pas moins de 13 anciens astronautes de la NASA ont confié avoir été confrontés à ces rencontres inexpliquées. En janvier 1993, un village sans histoire situé en Belgique allait devenir le théâtre de phénomènes paranormaux aussi étranges que terrifiants. On va parler en 1993 d'une famille qui va vivre des événements paranormaux. Des phénomènes d'objets qui se déplacent, de meubles cassés, d'objets qui traversent les pièces. On a tous entendu parler de maisons hantées et là finalement on est face à un cas concret. Supercherie, hantise ou possession démoniaque. Il y aura le témoignage de 10 gendarmes qui vont être là au moment des faits. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé véritablement. 25 ans après les faits, retour sur les mystérieux événements de la maison hantée d'Arc Watripon. Nous sommes le 5 janvier 1993 à Arc Watripon, près de Tournai, en Belgique. Il est 20h. Tout semble calme. Dans quelques heures pourtant, les habitants de cette petite maison, située rue Beauregard, vont plonger dans ce qui restera comme le plus effroyable fait divers paranormal qu'ait connu la Belgique. La nuit du 5 janvier 1993, la famille est réunie autour de la table. Il y a le père Roger, ancien chauffeur routier, accompagné de sa femme, leur fille Nathalie et Eric, son petit ami, qui s'est installé en fait avec eux depuis quelques semaines déjà. Ils vont assister à une scène assez incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une statuette de la Vierge qui est posée sur une armoire et qui va se mettre à glisser et tomber sur le sol. Auparavant, ils avaient déjà des petits phénomènes mais auxquels ils ne voulaient pas porter attention. Mais cette nuit-là, ils vont vraiment vivre en fait un déchaînement des phénomènes. Ce 5 janvier 1993, en effet, la maison de la famille Dubard va être la proie de phénomènes aussi violents qu'inexplicables. La table bouge, des bibelots se déplacent tout seuls. Ils raconteront qu'ils avaient la sensation que la maison vibrait, comme si elle était vivante, cette maison, comme si elle était sous l'emprise de quelque chose. Ça terrorise la famille, ils ne savent plus quoi faire, et ils vont appeler tout simplement la gendarmerie. Ils les appellent en disant « le diable est chez moi ». La terreur du père de famille est telle que les gendarmes, d'abord convaincus d'un canular, décident de se rendre sur les lieux. Ce qu'ils vont découvrir une fois sur place va les marquer à tout jamais. Le gendarme Baguet donc, arrive avec un collègue à la maison, dans un état d'esprit où il pense à une farce. Vous êtes conforté dans leur doute, parce que quand le papa va ouvrir, il est avec un casque de chantier quand même sur la tête. Donc il se marre, bien évidemment. À ce moment-là, il pense juste que cette famille est dingue. Pourtant, une fois à l'intérieur, les gendarmes vont devoir se rendre à l'évidence. Quelque chose d'anormal et d'effrayant semble avoir pris possession de cette maison. Ils vont constater qu'il y a un cirque pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la vaisselle éclatée par terre, des meubles renversés. Et donc, ils se retrouvent à l'étage, et là, c'est encore pire. Ils voient dans les chambres, des boiseries, des lits sont fissurés, sont arrachés. Cette maison est complètement retournée, à tel point qu'il va plutôt penser, en fait, à une dispute familiale un peu corsée. Les habitants de la maison vont dire très clairement, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est le diable. Hein. Ce sont les esprits, la maison est hantée, les objets volés tout seuls, et ils vont décrire tous les phénomènes auxquels ils ont pu assister. La maison est-elle hantée, comme le prétend la famille devant les gendarmes? Ces derniers vont très vite assister par eux-mêmes à des phénomènes inexplicables et inquiétants. Le gendarme Baguet va constater quelque chose là qui va pour le coup lui faire changer d'avis, c'est-à-dire qu'il va avoir un téléphone, et surtout la prise du téléphone commencer à se tendre sérieusement, et la prise se débrancher toute seule sous la force de quelque chose qui a tiré sur le câble. Et là, mais terrorisé, il est à deux doigts de se prendre un livre qui est passé à travers la pièce. Là, il s'aperçoit vraiment que les choses se déplacent toutes seules, sans une interaction humaine. Confrontés à ces incroyables manifestations paranormales, les deux gendarmes, totalement désemparés, décident d'appeler des renforts.
Quand ils arrivent, ils sont une dizaine. Ils vont mener l'enquête, ce sont des gendarmes, quoi. Donc ils vont essayer de trouver s'il n'y aurait pas une bidouille, hein. Et ils vont voir eux-mêmes des choses pour le moins intrigantes, c'est-à-dire un matelas se soulever, ils vont voir des meubles se casser, hein, notamment une table de chevet, en tout cas ils vont constater qu'elle est comme fracassée. Ils vont tout analyser, tout chercher, essayer de comprendre, et ils vont partir. Ils n'ont toujours pas compris. Très vite, la rumeur se répand. La maison d'Arc Watripon serait hantée par une force maléfique. Le père de famille lui-même accepte de se confier face caméra sur les terrifiants événements auxquels il a assisté. Sûr qu'il se passait tout volé, en hauteur, des couteaux, tout en hauteur. Bizarrement, ce coup de butait. La table se soulevait. Alors que cette maison maudite sème la peur parmi la population, l'affaire dépasse rapidement les frontières. Le porte-parole des gendarmes admet face aux journalistes les étranges phénomènes observés ce soir-là. Ce sont des gendarmes qui travaillent habituellement bien et donc ne sont pas sensibles à des influences particulières. Dans ce cadre-là, ce qu'ils ont vu sur place au moins, c'est quelques objets qui se sont déplacés dans l'air sans explication apparente. Que cache cette mystérieuse maison? Ses murs abriteraient-ils une force démoniaque, comme beaucoup le prétendent? En Belgique, évidemment, ça va immédiatement prendre beaucoup d'ampleur, mais ça va évidemment traverser les frontières. Tous les parapsychologues, les médiums, etc. vont aller sur place, mais aussi des scientifiques, des universitaires. Ils ont constaté qu'il y avait effectivement des lignes à haute tension qui traversaient la maison et qui pouvaient bombarder d'ondes électromagnétiques la maison. Il y a des eaux souterraines sous la maison où on pourrait avoir un champ magnétique qui peut faire se déplacer les objets dans une maison. Mais ça ne suffit pas à expliquer tous les phénomènes violents qui ont pu se passer dans la maison. Personne n'a pu trouver d'explication rationnelle face à ça. Alors que l'étrange maison n'a toujours pas livré ses secrets, la famille, traumatisée par ces phénomènes paranormaux, fait appel à un collège de médiums, espérant se débarrasser des esprits malfaisants qui hantent la maison. Les Dubars sont traumatisés par ce qu'ils vivent. Il faut savoir que c'est des gens très croyants, très superstitieux. Finalement, n'ayant pas trouvé d'explication, ils sont de plus en plus persuadés que leur maison est hantée. Donc ils vont faire venir tout un tas de médiums, de radiesthésistes qui vont avoir du travail. Mais finalement, rien ne se passe. Ils se retrouvent toujours confrontés au même phénomène. Dans le village d'Arc Watripon, on ne parle plus seulement de maison hantée, mais aussi de possession démoniaque. Les regards se tournent alors vers un jeune homme en particulier. C'est le petit ami de Nathalie, la fille des Dubars, qui s'appelle Eric, qui vit en fait à ce moment-là une rupture familiale avec sa propre famille, qui est recueilli à partir de décembre 92 chez les Dubars. C'est à partir de là, à partir du moment où ils vont recueillir Eric, que des phénomènes vont commencer à se produire. Au village, on sous-entend que Eric serait lui-même possédé. Depuis qu'il est là, les phénomènes ont commencé, il est habité par le diable. Voilà, c'est ce genre de rumeurs qui sont colportées dans le village. Le jeune homme serait-il sous l'emprise d'une possession démoniaque? Des éléments troublants vont conforter cette inquiétante idée. Ce qu'il va raconter aux journalistes, c'est que les bruits et des phénomènes un petit peu bizarres ont déjà commencé quand il est arrivé presque dans la maison, au tout début. Il est dans la chambre avec sa copine et là il commence à entendre des espèces de coups. Il sent que lui un petit peu se soulever. Il a la sensation qu'il y a une présence, qu'il y a quelque chose dans la chambre. Et ça commence à leur faire peur. Et ils vont décider tout simplement de changer de chambre. Donc ils vont bouger et ils vont aller dans la chambre à côté. Et les phénomènes, eh bien, ne vont pas s'arrêter. Il va raconter que la table de nuit à côté de lui se déplace vers lui au fur et à mesure des nuits. Tout semble en fait se déplacer dans sa direction. Le jeune homme, cible de ces étranges phénomènes paranormaux, fait alors au journaliste cette confidence effrayante. Moi, je ressens le démon. Je sais qu'avant une heure, avant l'effet que ça commence, je sens moi. Et je préfère la famille qui doit se protéger et tout, et faire attention. Il va lui-même dire qu'en fait, le démon, il le sent en lui. Il va expliquer concrètement qu'en fait, il est possédé. Il a des états de transe, des moments d'absence en fait. C'est de la transe et d'absence. Et il oublie tout. C'est-à-dire que quand il va sortir de cette transe, il ne sait pas ce qu'il a fait et ce qui s'est produit. Et évidemment, dans le village, on va prendre peur. On va se dire, mais il y a vraiment un démon qui vit dans cette maison. Alors que dans toute la Belgique, on ne parle plus que de la maison du diable d'Arc Watripon, un prêtre va donner à l'affaire une tournure
encore plus étrange. Et la famille est contactée par un évêque de l'église gallicane, belge. Il s'agit en fait de Monseigneur Meurant. Et il propose à ces gens de venir les voir, de venir les aider. Monseigneur Meurant va leur proposer tout simplement un exorcisme. Il faut savoir que les exorcismes sont des cas extrêmement rares. Commence alors pour le jeune homme, qui se dit possédé par le démon, une longue série de rituels. C'est très éprouvant pour Eric, d'après ce qu'il va en dire, tout simplement parce que les séances d'exorcisme vont être très longues. Je crois que ça dure plus de 5 ou 6 heures. Ils vont faire jusqu'à 6 séances d'exorcisme. Mais contre toute attente, les phénomènes vont disparaître petit à petit. Ils vont s'atténuer en tout cas. Pour beaucoup, la disparition soudaine des étranges phénomènes dans la maison maudite sont la preuve d'une possession démoniaque. Mais certains avancent une autre explication. Une des explications données aussi par les parapsychologues, c'est la télékinésie, c'est-à-dire le pouvoir de notre esprit d'agir directement sur la matière sans la toucher. Les parapsychologues appellent ça un phénomène de poltergeist. On appelle un esprit frappeur. Notre esprit serait capable de déplacer des objets ou des choses comme ça. Phénomène surnaturel appelé poltergeist ou possession démoniaque. 25 ans après, la science est encore incapable d'expliquer les étranges événements qui se sont déroulés à Arc-Ouatripon. Seule preuve matérielle encore existante, des images glaçantes enregistrées par les gendarmes eux-mêmes. Cette mystérieuse pièce à conviction est jalousement gardée depuis dans les archives de la justice belge. Personne n'a jamais pu y avoir accès.